Vas-y, arrête de filmer, ça me casse les couilles. Je sais pas pourquoi tu filmes. C'est relou, mon frère. Mais parce que c'est le but du truc, Dominique. Non, vas-y, je m'en bats les couilles. Le but du truc, je vais arrêter, ça va. C'est quoi qu'on dit déjà au début? Bonjour. Mais ça fait deux fois que je me trompe, genre, wesh. Les gens, bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on est là pour un vlogger. J'ai forcé Dominique fortement. Parce que j'ai dit que j'avais envie de faire un petit peu de changement dans la chambre. La baby est chez la mamie. Donc j'ai dit que cette semaine, j'allais profiter pour faire un petit peu des changements dans la maison. Du coup, là, on va dans un magasin de tissus. Parce qu'en fait, j'ai envie de refaire ma tête de lit. En fait, j'ai envie de refaire la chambre à moindre coût. C'est-à-dire que j'ai pas envie de racheter des meubles, etc. J'ai envie de retaper ce que j'ai déjà. C'est mieux et c'est moins cher. C'est bien pour le portefeuille. On s'est dit que ça pourrait être intéressant de vlogger ça. Extirpé du lit, j'ai rien demandé, sachez-le. J'étais en train de faire une bonne petite grasse mat. Mais parce que vous savez, les mecs, comme ils sont quand on dit demain on fait un truc. On n'avait rien prévu. Si on avait dit qu'on devait faire un truc, déjà on devait le faire depuis cette semaine, mais on l'a pas fait. On est parti juste acheter des rideaux. Et j'ai dit demain on fait. Oui. Et puis aujourd'hui, Mister, il dormait. Là, aujourd'hui, on a dit let's go. Et voilà, on profite. En plus, il fait beau et tout. On a nos masques. Donc, c'est bien. Ah bah, merde alors. Le truc où vous voulez aller, il est fermé le dimanche. Mais sur internet, ils ont mis que c'était ouvert. Ils ont niqué mon plan là. Bon, là, on est à Casto. J'ai mis mon masque. Je cherche une agrafeuse murale pour clouer le truc. Bah déjà le magasin de tissus il était fermé, donc du coup je verrai si je peux pas trouver des tissus ici ou sinon on retournera demain au magasin de tissus. Mais là en tout cas il me faut la graffeuse murale absolument, genre au moins j'ai ça quoi. On fera ça demain, à prendre demain. Bon, là on est au rayon bombe de peinture. En fait j'ai un miroir au salon, le cadre il est noir, sauf que moi ça me saoule, donc du coup j'ai envie de le repeindre en blanc ou en beige, mais je sais pas si en beige ça va faire bien, genre. Il y a ces deux couleurs là, mais je pense que je vais le peindre en blanc parce que au moins je sais que blanc ça me saoulera pas, alors que beige ça peut me saouler. Donc je prends blanc pour le miroir et après il y a les cadres aussi, donc je vais en prendre une noire. Mais je crois qu'il n'y en a même plus de noir. Il n'y a plus rien ici. Les gens avec le confinement ils se sont amusés, donc il n'y a plus de bombes noires. Mister Domi, depuis tout à l'heure il était au téléphone, hein, il ne calculait pas. Donc du coup j'ai pris peinture blanche, peinture dorée et peinture noire. Sauf que le problème c'est que la noire, je sais pas si ça va être bien parce que en fait c'est un truc genre effet pelable. Mais je sais pas c'est quoi l'effet pelable. Genre en gros tu mets la peinture. Ça, l'effet pelable, ça se décolle. Si tu veux, quand tu veux. Ah regarde, oui là, ça s'enlève. Oui, ça s'enlève. Ça s'enlève. Donc c'est bien en vrai, si je change d'avis. Ouais. Mais bon c'est pour un cadre, donc en vrai. Donc voilà. Et maintenant, bah le plus important c'était le tissu, mais on l'a pas. Mais en vrai, on a un tissu blanc à la maison. Non mais non, faut faire les choses bien. On aurait une lumière et en fait on a envie de mettre des LED. Mais on n'est pas sûr. Parce qu'en fait on l'avait déjà fait, mais on avait pris des vieilles LED pourries de Amazon. Et ça s'était décollé en fait. Mais parce qu'on n'avait pas mis du vrai scotch, on avait mis du sparadrap à deux balles. Là on va faire les choses bien. Donc du coup là vous voyez il y a des trucs de LED. Mais ça je sais pas, c'est 5 mètres. Ça va, c'est bon. 5 mètres c'est bon. Ouais, c'est bon. Maintenant il nous faut juste des draps de lit, mais il n'y en a pas ici. Et des lampes de chevet, mais je pense que les lampes de chevet je vais les prendre sur internet parce que c'est pas très beau ici quoi. Il n'y a rien qui me tente. Que moi en fait j'ai une idée pour la cuisine. J'ai envie de refaire le plan de travail en mode marbre. J'ai vu des meufs qui font ça sur YouTube et tout et j'ai trop envie de faire ça. Bah viens en fait. Non. Tu veux comprendre aujourd'hui? Tu veux faire marbre ou tu veux faire bois clair? Non, marbre. Marbre c'est beau. C'est beau hein. Parce que regarde sinon il y a... Mais par contre faut l'outil qui va avec. Faut une sorte de spatule comme ça. Sincèrement le mec sur internet je l'ai fait avec une carte. Mais bon on va faire... Vas-y, on va pas faire ça à l'arrache genre. Du coup je sais pas. La meuf que j'ai vu faire ça sur YouTube, il y en a plein qui ont fait. Mais genre elle a fait avec une carte bleue hein, mais bon. Pas très sérieux. Mais il y a plein de matériaux. Regarde il y a aussi un marbre beige là. Qui est beau. T'aimes pas ça? Ouais mais beige ça arrive pas avec les placards du... Mais les placards chouchou, c'est prévu aussi que j'ai les changes. Enfin pas que je les change, mais genre je vais mettre un truc par dessus hein. Ouais, blanc ou beige. C'est juste ça, c'est à dire qu'il faudra les démonter. Ouais. Moi je suis prête, sincèrement je vais tout filmer. Je suis prête. Mais bon sinon on laisse gris hein. Préférez quoi vous? Ah moi je préfère largement gris. Oh là là, ça y est. Mais si, il y a beaucoup de... Tous les hommes ils pètent des câbles, toutes les meufs ont envie de changer chez nous et tout, je suis morte. Bon donc du coup tu préfères gris, ok. Ah ouais il a craqué. Voilà, c'est bon. Il a dit oh merde. Ouais, ah
attends, il y en a un autre de marbre. Ça, prends ça en photo là, le cri là. Prends ça en photo, ça t'explique comment tu fais. Oui, mais ça peut être expliqué dessus. Il manque. Là, ils expliquent en 6 étapes comment faire. En plus, c'est tellement facile. Putain, ça va être beau la fusée. Ouais! Tu vas voir qu'on va changer après, on va tellement vouloir rester chez nous là. Bon, si on fait blanc, on a une cuisine de ouf. Faut un cutter aussi pour couper. Ok, on va en prendre un. Cutter. Ah, il y en a des grands là. Je sais pas si ça c'est quelque chose, il y a des tailles. Ouais. Mais ouais. Marbre, il n'y a pas de grande taille. Bon, on en prend combien? On en prend 4. Mais ils sont petits en fait, c'est ça le truc. Et mes 4 de combien de mètres? Il y en a combien de mètres là? Parce que là, tu vois, le format mètres. Il est plus grand. 2 mètres, c'est bon, c'est largement suffisant. Il y a une 2 mètres en longueur, mais pas en largeur. C'est ça que je veux dire. Là, tu vois, ils sont grands eux. Mais il y a une ça, il y a plein de travail. T'es sûr? T'inquiète, ça c'est bon. Ça c'est bon. Avec confiance, si vous. Hein. Avec confiance, tout. Avec confiance. Back to the voiture. Again and again. Bon, du coup là le, vous allez pas m'entendre je pense. Du coup là le room makeover se transforme en cuisine makeover. Dominique il a eu, Dominique il a eu un éclair. Il s'est un éclair dit... de génie. Il s'est dit vas-y je veux refaire la cuisine et tout blanc. Marbre tout. Marbre, vous allez voir tout. Ça va être un truc de ouf. Franchement si j'y arrive, la cuisine, mais la cuisine Yensa va dormir dedans. Ouais, ça va être un truc de ouf. J'ai hâte de voir. En fait, ce que j'ai peur, c'est que Dominique il me dit mais non et tout. Mais bon, moi ce que j'ai peur, c'est que les rouleaux ils soient trop petits. Mais non. Pour la cuisine, parce qu'il va falloir faire des raccords. En gros, moi je me dis c'est relou les raccords. Donc on a tout enlevé de la cuisine. Il faut que le plan de travail soit propre, lisse, nettoyé. Vous voyez même des tout petits trucs là comme ça là. Je sens des fois c'est un petit peu rugueux. Faut vraiment... Là c'est bon, ça m'a l'air d'être bien. Alors le stickers. Ceci pour aplatir. Pour maroufler. Pour maroufler, voilà. Pour enlever les bulles et tout. Comme quand vous posez un film en verre trempé sur votre iPhone. Un cutter, un ciseau. Je vous jure, notre chaîne YouTube, c'est devenu une émission de bricolage, de cuisine. C'est une chaîne télé. La vie d'homme, c'est une chaîne télé. Tu veux qu'on commence comme ça et qu'on fasse ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. T'as capté? C'est bien sec, ouais. Ou tu veux qu'on commence comme ça. En fait, en gros, tu préfères que la séparation soit là ou là. Je sais sachant pas. Sachant qu'ici il va y avoir une autre séparation et là et là. Tu vois ce que je veux dire? Ou... On fait comme le mec il a fait dans la vidéo, moi je dis. Comme ça. On fait comme le mec il a fait dans la vidéo. Parce qu'on a regardé des. Le mec il a fait comme ça. Chut. Ok. Sachant qu'il faut bien laisser de l'espace parce qu'il y aura ça aussi. Moi j'aurais plus préféré faire comme ça. Ouais, non, non. Tu sais quoi, on va faire comme ça et un autre comme ça. Ouais, on va faire ça. Bah après, moi je parlais pas de ça. Moi je disais que juste il fallait pas faire comme ça. Ouais, d'accord, ok. Ouais, ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Tu préfères faire ça à la verticale ou ouais. À l'horizontale? Bah ouais, parce que sinon, si on fait ça là. Là au moins il en faut que un, bim. Ça fait un, bim. Ok. Un, bim. Ok, ok, ok. Là du coup, Dominique il a commencé à poser le stickers. Comme c'est pas droit, le problème c'est que... Sincèrement, dans des tutos, il y en a qui ont fait ça avec des cartes bleues et tout, donc... Ouais, c'est nous, on voulait faire les choses bien, mais en vrai, ça veut rien dire. Ah, tu sais, il y a un truc en dessous. Juste, faut juste avoir le coup de main, en vrai, et c'est tout. T'as bien dans l'angle, là, tu vois, tac. T'aimes bien déjà la couleur? Ah, moi j'aime trop. J'aime trop. Vous voyez les petites bulles là, vous les entendez? Ça, ça doit même plus exister. C'est bien plat! Attends, faut bien le tendre. Wouh! Hunger Games, j'ai oublié! Ouh, quelle cuisine de luxe! Voilà, donc maintenant ce qu'il faut faire, on va découper ça, tu vois. Tu veux pas que ça passe en dessous? Tu veux que ça passe en dessous toi? Je sais pas, t'en penses quoi toi? Si tu veux, vas-y, on fait pas ça. Je pense pas que c'est mieux de le faire passer un petit peu en dessous. Vas-y, on fait pas ça. Histoire qu'au cas où ça se décolle, il y a une marche quoi. Ouais, c'est que ça, le problème c'est qu'on va le couper comme ça pour que l'aplatir. Déjà, je vais l'aplatir de côté. On est bloqué sur une bulle. Ça me rend ouf. Elle a diminué déjà, mais genre, on est concentré. Mais bon, je pense que là, c'est bon. C'est beau, hein. Ouais, super.
Là, on est passé au deuxième pan. Je sais pas comment ça s'appelle de la cuisine. C'est le deuxième rouleau. Du coup, là, on a fini le premier côté, comme vous voyez. On a essayé de faire les raccords le mieux possible. Mais bon. Voilà. Et du coup, maintenant, on fait l'autre côté là-bas. En fait, ça aurait été mieux si on avait eu un grand rouleau. Il n'y aurait pas eu de raccord. Mais bon, il n'y en avait pas, donc on fait avec les moyens du bord. C'est bon ? Ouais, si toi tu penses que c'est bon, c'est toi qui vois. C'est que c'est pas droit. Ouais, les murs de cette maison, ils sont pas droits. Ils sont pas droits, donc on va devoir jouer en fait sur ça. Non, en fait, il faut juste que... Au niveau où c'est plus... En fait, il faut que là, sur le côté, t'en laisses un peu plus. On mange au but, du coup. Parce que c'est vraiment pas droit, quoi. Bon, c'est parti. Allez. Vas-y, arrête de filmer, ça me casse les couilles. Je sais pas pourquoi je filme. C'est relou, mon frère. Mais parce que c'est le but du truc, Dominique. Non, vas-y, je m'en bats les couilles. Le but du truc, je vais arrêter ça. Je m'en bats les couilles, mon frère. Et j'essaie de t'aider depuis tout à l'heure, Dominique. Mais non, je fais de la merde. Moi. Les nerfs se sont échauffés. Ah non, mais ça me tend, ça me tend. Ça, pour moi, c'est pire que l'ASMR. Tu vois, ça, tu dois être minutieux et tout, c'est horrible. Il n'y a rien de plus horrible. Pour quelqu'un comme moi, il n'y a rien de plus horrible. Ce qui s'est coincé. Ah, c'était con, là. Ah, c'est le placard. Attends, je me suis fait engueuler, quoi, alors que j'avais rien fait. Non, mais ça, je lui dis tant en papier, et là, il est bien. Regarde les étoiles, mon frère. Mais j'ai étendu. C'est juste que la méthode qu'on avait choisie à la base, elle était pas bonne, c'est tout. Et là-bas, faut le tendre. Devant, là. Tu vas voir. Mais putain, mais sérieux, il fallait me dire, ça. Tu le tends au bout, c'est pour ça que je t'ai pas dit. Avec la carte. Putain, qu'est-ce que c'est... Oh là là, oh la vache. Je veux pas revivre ça, hein. C'est la dernière fois qu'on fait ça, je te le dis. Ah, moi, c'est la dernière fois que je fais ça, je te le dis direct. Mais sinon, c'est le résultat, il est incroyable. Il n'y a pas à dire. Mais qu'est-ce que... Moi, c'est juste ce raccord, là, il me gêne. Ayensa, tu sais, si t'es pas contente, moi, je me pose. Purée, je t'ai rien dit. Regarde Viking, et tu te démerdes. Bah, vas-y, si tu veux. La tête dedans, on verra si tu vas réussir. Ok, vas-y, si tu veux. Ok. Même avec un grand, t'as des raccords, hein, tu sais. Moi, je te dis, il y en avait un beau blanc laqué, là. On verra à la fin, de toute façon. En tout cas, moi, si j'aime pas, j'en recommande et je le fais toute seule. Passe-moi un nouveau. Ah ouais, tu le fais toute seule. Ah oui, je sais, je te redemanderai pas. On va voir le résultat, hein. On va bien rigoler si je le fais toute seule. Bah, tu verras. Les meufs, elles le font toutes seules sur YouTube, hein. Ouais. À deux mains gauches. Tu verras. En fait, c'est à toi de me dire ici, tu trouves ça comment? Mais moi je trouve ça normal, moi je trouve que c'est super. Non, bien. Au niveau c'est surbuté. Enfin, ou c'est surbuté. Regarde, si c'est surbuté, ça fait ça. Regarde, c'est quoi, on va faire le test là au tout début. Surbuté, c'est dépassé. Ouais, regarde, ça fait ça. Moi ça me choque pas, ça te choque toi? Non. Parce que là au moins on est sûr que l'eau. Ok, bon vas-y, on surbute, vas-y. Il est fort mon bébé. Waouh. Regarde bien s'il te plaît avec la lunette, s'il n'y a pas des bulles et tout. Non, il n'y en a pas. Il y en a. Attends, vous voyez. Non, c'est pas ça, c'est pas des bulles. T'es bon. Parce que là, vous me voyez comme ça, mais je mets de la force hein, pour enlever les bulles. C'est ça en fait le truc, c'est physique. Attention au côté. Hein. Ouais. Donc, pardon. Là, on passe au pourtour du four. Dominique, très très content. Alors, on a refait du coup cette petite partie. Dominique a insisté pour que on refasse cette partie. Oui, parce que en fait, moi, si tu veux, je déteste quand les choses sont mal faites. Ouais. Ça me dérange. C'est un truc qui me dérange. Donc, du coup, on a refait. Voilà, oui. Et du coup, là, bah, vous voyez un petit peu comment les travaux avancent. Là, c'est net, sans bavure.
Donc du coup, on va commencer au contour du four. Voilà. Comme ça, de chaque côté. Le poil, on surbute, mais genre 1 mm, genre. Comme ça. Ouais, attends. Non, toi surbute juste. Surbute juste comme tu veux, c'est bon là, comme ça. Oui. Nous, on va faire comme ça. C'est droit. On s'en fout. Ok. Si c'est surbuté sur la plaque. Ouais. Mais c'est vrai. On peut le faire demain, ça, je crois. Mais autant tout finir un jour, comme ça, demain, on est bien, oui. Attends, Dominique, on va pouvoir faire des photos dans la cuisine, oui. Tu te rends compte ou pas? Ah, mais nous avions oublié. Il y a un autre truc qu'on doit faire. Ça. Quoi? Le surbutage. Il n'y a que des surbutes ici, en fait. Et que des surbutes. Que des surbutes pour casser les couilles. Mais ça, tu préfères le faire en barbe ou en bois? Ah, justement, j'aurais bien voulu en bois, moi. Pour que ça change. Pour pas que ça fasse trop mal. Ouais, sinon, ça va faire trop, ouais. T'as raison. Je valide. Et les relous. Ouais, il y a une petite surbute. J'en ai marre d'entendre ce mot. J'ai 25 ans avec ce mot. Mais Dominique, attends. Là, on a juste mis des stickers sur une cuisine. Mais si on retape une maison ensemble, ça va être quoi? On va se battre. Là, on a tout fait. Enfin, Dominique. Non. Il reste pas grand chose. Ou non, j'ai pas fini ma phrase. Okay. J'ai dit, on a tout fait. Il reste que le dernier petit schmilblick là. Schmilblick? Bon, du coup, là, on est passé aux portes parce que le plan de travail, il est fini. C'est beau, hein, bois comme ça, bois blanc. On a fini, Dominique, il a fait une première porte. Du coup, on hésite à savoir est-ce qu'on continue, on fait tout blanc ou pas par rapport à la petite, que c'est salissant, parce qu'on aime bien les deux, en fait. Moi, je lui ai proposé de faire tous les placards du haut en blanc et au moins, voilà, quoi. En bas, au pire, si c'est salissant, on laisse en gris. Ouais, mais c'est pas beau. Mais après, moi, ça fait je trouve deux que couleurs, c'est pas beau, donc, là, c'est deux couleurs. Mais en tout cas, c'est très beau en blanc. Ouais, c'est vraiment beau. Genre, quand je vois que ça, là. Ah là là, ça claque. Mais tiens, le plan de travail, waouh, non, c'est trop beau. Bon, là, comme vous voyez, Dominique, il a avancé de ouf. Moi, j'ai fait un petit placard, il est là. C'est lui que j'ai fait le petit placard. Ouais. Moi je voulais le faire demain, si Yannis m'a dit quand on fait un truc, on y va jusqu'au bout, à mâcher branle comme d'habitude. Non, parce que je t'ai dit, sincèrement, si on fait ça aujourd'hui, demain, après, on va se lever, vrai. On aura une nouvelle cuisine, ouais. On sera content, genre. Ouais, c'est vrai. Et on aura autre chose à soucier que finir ça. Mais ça, après, j'en peux plus. Ça, c'est... J'en ferai plus pendant des années. C'est le plus dur qu'on a fait. Hein. Ça le... Non, c'est pas le plus dur, le plus casse-tête. Ouais, c'est relou. Le plus casse-tête, clairement. Et il n'en resta plus qu'une. Dominique, il a fait toutes les portes, là. Toutes les portes, il manque que celle-là, la dernière, et après c'est fini. Bonjour monsieur, dans votre magnifique cuisine, marbre et bois blanc, n'est-ce pas? Ouais. J'ai fait une connerie. T'as fait une connerie. J'ai touché le joint. Mais c'est pas grave, ça se voit pas, c'est bon. Donc du coup, Dominique, il a mis tout ce qu'il fallait sur les portes, etc. Il a mis du joint entre les raccords. Ça va pas en fait le joint, je sais très bien que ça va pas tenir quand on va laver, on va essuyer. C'est juste que ouais, c'est vraiment histoire de se dire que l'eau va pas pénétrer, tu vois, à l'intérieur. Ouais, voilà. C'est juste vraiment c'est du plus qui sert à rien, voilà, mais c'est histoire d'avoir la conscience tranquille. Voilà. Mais sinon voilà, c'est vraiment histoire que le sticker s'y dure aussi plus longtemps. Voilà, donc on a fait ça, voilà. Donc regardez mes magnifiques joints. Mes joints ils sont trop bien faits. Regardez tout le long. Qu'est-ce que c'est net. C'est net. Trop fort. C'est net. Tout le long aussi, vous pouvez voir tout le long, il y a un joint blanc. Tout le long. Là, il a fait du blanc. Tous les joints blancs. T'es trop fort. Merci. Vraiment, la cuisine, elle est bien. On est content, quoi. Sincèrement. C'est des petits trucs comme ça qui font que t'es content d'être chez toi. Des petits changements. T'es ouf. Je sais pas comment expliquer, genre. De cuisine et. Et comme on peut pas tout changer vu que c'est pas chez nous non plus. Donc on fait comme on peut. Et voilà. Oui, parce que. On a une tête de fou. Dites-vous, on est dessus depuis 13h. Là, il est 20h. On vient juste de finir 20h. Et encore, on n'a pas tout fini parce que on est en train de faire le ménage, on est en train de tout finir et tout. Là, c'est vraiment les finitions. Donc, dites-vous que là, c'est pas totalement fini parce qu'après, il y a les décorations et tout. On vous montrera tout ça. Et vraiment, ça va être un kiff de vous montrer le avant et le après, tu vois. Ouais, voilà, moi aussi. Je suis fier de moi. Je suis fier de nous, surtout. Je suis fier de nous parce qu'on a bien bossé. Tu m'as bien aidé. Non, ma traite derrière. Ah, j'ai aidé quand même. Hein. Non, tu m'as aidé. J'ai fait un placard toute seule. Hein. Lui, je l'ai fait toute seule. Mmh. Ouais. Ouais. Non, tu as fait tout seul, non. Oula.
Bon, là on revient de chez Jiffy, ça y est, on a tout le matériel qu'il faut pour décorer la cuisine. Enfin, on arrive à la fin et normalement ça promet. Ça promet parce que là, ce qu'on a choisi chez Jiffy, des idées de génie, mon pote, c'est pas gaffe à mon style, je suis en pyjama, on est le matin, je viens de me lever, donc y'a quoi là-bas, toi? Y'a quoi? Oh le con, putain regardez je l'ai cassé. Eh c'est quoi c'est... Mais c'est de la merde. Regardez le verre comment il est tout fin. Oh les ongles. J'espère que vous êtes content du résultat. Moi, j'ai juste envie de rajouter un truc parce que je suis toujours à chier en tant que service. J'ai envie de rajouter une étagère ici, juste ici. Une étagère en bois. En bois comme ça, là, vous voyez, comme ça, avec, allez, avec les dépenses en bois. Je mettrai un peu mes inspirations, photos d'inspiration que j'ai vues, genre avec des petites équerres apparentes noires et tout, trop beau. Ah, c'est juste facile. Une, ouais, juste une là comme ça. Et voilà quoi, donc on a fini pour today et je suis trop contente de ma cuisine, vraiment là. Ça change tout. Genre, j'ai vraiment l'impression d'avoir une nouvelle cuisine. Ça fait du bien quand même de voir. Non, franchement, ça fait du bien parce que cette vidéo, on l'a tournée sur plusieurs jours. Et quand on a installé le marbre, le lendemain matin, quand je suis rentré dans ma cuisine, enfin, quand j'ai vu ma cuisine déjà, je trouvais qu'il y avait plus de lumière déjà. Ça fait une pièce vraiment plus éclairée. Et ça fait, franchement, au visuel, ça change. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, vraiment. T'as l'impression que t'es dans un nouvel appartement. Enfin, vraiment, si vous avez marre de la routine, faites des petites choses comme ça. Vraiment, si vous êtes locataire ou quoi que ce soit et que, bah, du coup, vous savez pas trop comment changer, vous dites que c'est pas possible parce que bah, c'est pas à vous, vous pouvez pas casser. Dites-nous, vous n'êtes pas obligé de repeindre, vous n'êtes pas obligé de changer des choses. Il y a toujours des petites techniques pour changer. C'est sûr, c'est sûr. Même pour percer des trous, il y a des trucs adhésifs qui se collent et des tableaux à mettre. Il y a toujours des solutions. Et franchement, ça, je trouve que, bah, comme vous avez vu, ça change, ça fait plaisir. Vraiment, ça fait plaisir. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que, bah, que ça vous a plu. Un petit changement. C'est un nouveau format dans notre chaîne. J'espère que, bah, que ça vous plaît tout simplement. Quels sont les autres projets de décoration et de modification à venir? Après, moi c'est le canapé. J'ai envie de refaire mon canapé sans le changer. Je vais faire moi-même genre les housses de canapé. Là, je suis en mode DIY tout le temps. Donc le canapé, bah, la chambre de ma fille et ma chambre. Mais ma chambre, c'est pas grand-chose. Genre, c'est vraiment juste rajouter des décorations. C'est pas vraiment changé. Donc, on se retrouve pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures, de nouveaux formats. Et abonne-toi.